Station. This is Houston. Are you ready for the event? Houston, this is Station. I'm ready. Canadian Space Agency, this is Mission Control Houston. Please call Station for a voice check. Canadian Space Agency, how do you hear me? Bonjour, Julie. I have you loud and clear. Welcome aboard Space Station. Bonjour. Alors, on a plusieurs médias ici avec nous aujourd'hui. On va tout de suite commencer avec une question de Philippe Mercure de La Presse qui veut savoir, on a décrit la sortie spatiale comme très physique. Pouvez-vous nous parler de ce que vous avez ressenti? Avez-vous eu faim? Vos muscles étaient-ils fatigués? Avez-vous eu chaud ou froid? Y avait-il plusieurs inconforts physiques et était-ce plus éprouvant que vous aviez prévu? Alors, oui, une sortie spatiale, c'est vraiment éprouvant. Ça se compare à un marathon en termes de dépenses énergétiques, si on veut. Mais peut-être ce qui était le plus remarquable, c'est le fait que, en fait, c'est plus facile que pendant l'entraînement. On s'entraîne sur Terre dans une immense piscine avec un vrai scaphandre. Et là, il faut en plus se battre contre l'eau, si on veut. Dans l'espace, on bouge très doucement, très librement. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps. On a l'air d'aller très lentement, mais en fait, il y a une grande tension interne, si on veut, parce qu'on veut toujours contrôler nos mouvements. Puis je pense que c'est surtout psychologiquement que c'est épuisant, parce que même si c'est fantastique comme expérience, il y a une grande sensibilité au fait que c'est très dangereux. Il y a comme notre subconscient se rend bien compte qu'on est dans un environnement absolument extrême, qu'on est là un peu par miracle, en fait. Et donc ça, je pense que ça finit par être fatigant. Mais lorsque je suis rentré à l'intérieur, c'est un drôle d'état. J'étais à la fois très heureux de l'expérience, bien sûr, mais j'étais dans un tel état d'adrénaline. En fait, ça a été difficile de dormir cette nuit-là, malgré le fait que j'étais fatigué. Est-ce que vous avez réalisé à un moment où est-ce que vous étiez et ce que vous faisiez? À quoi vous avez finalement pensé pendant toute cette journée de travail? Alors, en fait, on est très occupé. Hein? Chaque moment est chorégraphié, déterminé d'avance. On a plein de travail à faire et nulle part dans la séquence, est-ce qu'il y a des blocs pour la philosophie, si on veut? Mais on prend le temps de regarder autour et on prend le temps d'essayer d'absorber ça. Honnêtement, je suis sûr que ça va me prendre encore des semaines, des mois, peut-être des années à vraiment absorber l'expérience. Mais j'ai eu quelques petits moments de lucidité, si on veut, entre deux tâches, deux connecteurs ou deux déplacements. Il y a un sentiment d'humilité, de se savoir en vie un peu, si on veut, par miracle, comme ça, dans un environnement pareil. Et c'est comme si l'esprit humain arrivait à aller au-delà de notre fragilité par sa créativité, son invention. Je trouvais ça touchant de me retrouver petit satellite comme ça de conscience humaine en orbite autour de la Terre, dans l'espace, maintenu en vie grâce au génie humain, à la collaboration internationale immense qui est derrière ça. Ça me rendait fier de ce qu'on peut accomplir, les êtres humains, quand on se met à la tâche. M. Saint-Jacques, Mathieu Bellumeur de TVA. Ma question porte sur le fait qu'on peut l'imaginer. C'était un rêve depuis tout petit. Vous l'avez réalisé. J'imagine que c'est un point culminant dans votre mission. Puis, on a beaucoup fait état des grandes différences de température à chaque 45 minutes, le jour, la nuit. Avez-vous ressenti ça? Oui, on le ressent. En fait, le scaphandre est une merveille de technologie là, qui réussit à créer un environnement confortable, même très confortable. Mais dès que le soleil se lève, par exemple, on sent la lumière qui rentre dans le scaphandre. Et donc, on peut ajuster avec un viseur. Et en fait, je vais en profiter pour... c'est l'occasion de peut-être vous montrer le scaphandre, si ça vous intéresse. J'en ai un à portée de la main. Voici un scaphandre, il faudrait lui donner un nom.
Donc, comme vous voyez, c'est assez massif, hein, parce qu'il y a plusieurs couches pour nous protéger contre les écarts de température, donc d'isolation. À l'intérieur, et le plus important, évidemment, c'est ce qui nous garde en vie, c'est le sac à dos. Cette partie-là contient notre oxygène, le système pour enlever le gaz carbonique, la radio, le système de refroidissement, contrôle d'humidité. Il y a aussi un petit des réacteurs. Si on revenait par malchance à détacher la station, on a un petit système portatif à la réaction pour se ramener à la maison. Des caméras, des lumières. On peut, quand il fait soleil, on met nos lunettes soleil comme ça. Dans la nuit, on peut ouvrir le casque. L'ordinateur de contrôle ici avec le contrôle de température. Les gants, qui sont la seule partie vraiment faite sur mesure du scaphandre. Tout le reste est en pièces détachées et on l'assemble pour selon la longueur des bras et des jambes. Mais les gants, eux, sont faits sur mesure. Les petits miroirs qu'on utilise pour regarder notre ordinateur, parce qu'on ne peut pas vraiment voir les contrôles exactement. On les regarde à travers un miroir. Et intéressant ici, sur le bras gauche, parce qu'on a, c'est notre petit calepin de bord dans laquelle il y a un résumé de toutes les opérations qu'on fait pendant la sortie, un résumé de toutes les opérations possibles avec le scaphandre pour le contrôler, et évidemment, des photos de la famille pour amener en souvenir avec nous en orbite. Monsieur Saint-Jacques, Annie Guillemette, 98.5 à Cogeco Nouvelles. On s'était parlé en décembre et vous aviez énormément de défis à relever. Maintenant, on est à peu près aux deux tiers de votre mission. Je voulais savoir, c'est quoi l'élément qui vous a le plus impressionné, quelque chose que vous n'aviez pas prévu? Vous en avez pratiqué plein de choses, vous avez étudié longtemps pour aller dans l'espace. Mais y a-t-il quelque chose qui vous a vraiment étonné là, dans ces 129 jours-là? Ce qui m'a étonné, en fait, c'est l'effort continuel soutenu des équipes au sol pour assurer la pérennité, la sécurité des opérations spatiales. Il y a vraiment c'est impressionnant à quel point on dirait que ça, l'espace a cette capacité d'attirer le meilleur de l'être humain, hein, de nous forcer à nous creuser la tête, de vouloir collaborer, de vouloir aller plus loin, de vouloir trouver une solution. Et ça m'a, à chaque jour, je suis impressionné et ému, je dirais, par la quantité d'énergie positive qui est mise dans cette direction-là. Et je pense que ça nous sert de bon exemple. Moi, ça me donne confiance pour l'avenir, pour mes enfants, parce que c'est une démonstration quotidienne que quand on veut, on peut accomplir des miracles. Bonjour, M. Saint-Jacques. Antoine Lacroix, Journal de Montréal. Ma question, c'est qu'est-ce que ça représente pour vous d'être le premier Québécois qui se retrouve dans l'espace, à faire une sortie? Qu'est-ce que ça fait pour vous de votre nom qui va se retrouver dans l'histoire, là, d'une certaine manière? Je suis vraiment fier d'avoir eu cette opportunité-là. Je suis fier que le Canada participe à l'effort mondial d'exploration spatiale parce que je crois qu'au-delà de l'exploration, c'est toute l'avancée des connaissances et tout ce qui vient avec en termes d'avenir pour l'humanité, en fait, avec les crises auxquelles on fait face, qui va se dessiner par là, par le chemin de l'espace. Et je suis fier de venir d'un endroit où on fait partie, on croit à l'innovation, on fait partie, on est à l'avant-garde, si on veut, de l'exploration, de la science, de la technologie, de notre avenir. Et c'est une source d'inspiration constante pour les générations à venir, hein, parce que nos richesses principales, c'est nos enfants, c'est ce qui est dans la tête de nos enfants, c'est les rêves qu'il y a là-dedans qui sont notre avenir. Et je pense que l'espace est vraiment un moteur extraordinaire. Donc, avoir le privilège de représenter le Canada, le Québec, Montréal, même on peut faire la bulle de plus en plus petite, ma famille, c'est tout un privilège. C'est aussi toute une source d'humilité et de... les exigences sont hautes. Hein? Les Canadiens ont raison de demander beaucoup de leurs astronautes. Et les chaussures sont grandes à chausser, les géants qui m'ont précédé. Et je continue à faire tout ce que je peux pour être à la hauteur de ces attentes. Bonjour David, je m'appelle Pierre-Yves Laure de la Ville de Québec et aussi co-animateur de l'émission « Deux hommes en or » à Télé-Québec.
Je rêve d'aller dans l'espace et je pense que j'irai un jour, même si ça fait rire les gens, surtout quand je leur dis que j'ai échoué mes mathématiques 4-36 au secondaire. Je vais bientôt avoir 41 ans. Penses-tu qu'il y a de l'espoir pour des civils comme moi d'aller un jour dans l'espace et vivre une expérience en orbite autour de la Terre? Certainement, j'y crois. Si vous aviez demandé à vos arrière-arrière-grands-parents, il y a un siècle ou plus, s'il y avait un jour la possibilité pour des gens ordinaires de voler en avion, ça aurait semblé complètement hurluberlu comme question. Et pourtant, maintenant, c'est possible. Et c'est ça un peu l'aventure de la créativité et du génie humain. Pas à pas, petit à petit, on repousse les limites de ce qui est possible et ça devient finalement normal grâce à notre technologie, à nos connaissances, à notre compréhension et à notre technique, à notre collaboration. Donc oui, j'y crois. C'est difficile, hein? C'est peut-être la chose la plus dangereuse qu'on ait jamais osé faire, les êtres humains. Et d'ailleurs, c'était une des choses qui m'a époustouflé hier, réaliser à quel point j'étais... C'est incroyable d'être en vie dans cet environnement-là, cette petite bulle de vie dans laquelle j'étais, ce mini-environnement dans lequel j'étais, satellite autonome de la Terre. Tout ça est possible grâce au génie humain. En ce moment, ça prend des milliers de personnes qui travaillent d'arrache-pied à temps réel pour garder ça possible, mais j'ai vraiment confiance qu'un jour, ça va être peut-être pas routinier, mais ça va faire partie de la vie de tous les jours. Je suis très content, merci. J'ai déjà entendu Chris Hadfield, un de tes prédécesseurs, expliquer comment, lors d'une sortie extravéhiculaire, il a été pratiquement aveuglé par une larme. Est-ce que lors de ta sortie à l'extérieur de la Station spatiale internationale, il y a un moment précis où tu as ressenti de façon étrange l'absence de gravité? Oui, il y a un moment où, parce qu'on est très concentré sur notre travail et on regarde la station, puis on sent un peu comme si on était en train de monter la tour Eiffel, si on veut. Hein? C'est comme une drôle de structure, là. Puis ce qui surprend, c'est quand, soudainement, dans l'arrière-fond, on voit la Terre et on se rend compte qu'elle tourne. Et là, on a le sentiment de vitesse. La première fois que j'ai vu ça, j'ai senti que mon esprit s'est ajusté pour me dire, la raison a pris le dessus, disant, c'est correct, tu es en orbite aussi, tu vas pas tomber, c'est correct. Mais il y a des petits moments où l'instinct prend le dessus, et heureusement, hein, c'est ça qui nous préserve en vie, c'est notre instinct. Monsieur Saint-Jacques, encore moi, Yasmine Khayat de Radio-Canada. Dites-moi, M. Saint-Jacques, est-ce que c'était votre journée la plus difficile? Vous savez, je ne pense pas que c'était ma plus difficile parce que c'était tellement positif comme expérience. Il y a comme une vague énorme d'énergie presque cachée qui on se retrouve des capacités qu'on pensait pas avoir quand on est tellement enthousiaste, je dirais. Vous savez, une journée qui a été difficile, ça a été la première sortie extravéhiculaire qu'on a faite, notre groupe à bord. C'est la troisième là, d'une série. La première, les quatre personnes à bord dans le segment américain, personne n'avait vu de sortie extravéhiculaire. On n'avait jamais vécu ça. Et on a dû, les quatre, s'arranger entre nous pour mettre les deux premiers à l'extérieur de manière sécuritaire. Et cet aspect de nouveauté, c'était tout un défi mental. Mais la sortie, là, pour moi, avant-hier, c'était de l'art, en fait. C'était de la pure du travail dur, mais en même temps de la pure joie. Saint-Jacques, de nouveau, Mathieu Bellumeur de TVA. Comment vous vous êtes, je vous dirais, si vous pouvez essayer de nous décrire de quelle façon vous vous êtes senti juste au moment où vous êtes sur le point d'entrer dans l'espace et ce qui vous passe par la tête, mélange d'émotions. J'imagine comment vous avez vécu ça, ces minutes-là là, où vraiment il y a l'entrée dans l'espace autour de la station spatiale, à l'extérieur de la station. Moi, je vais vous décrire la scène. Donc, j'étais le deuxième à sortir. La première, c'était ma collègue et amie Anne McLean, pour laquelle c'était la deuxième sortie. Donc, c'était déjà une vétérane. Elle est sortie en premier. Quand je suis sorti, c'était la nuit.
Donc, on ne voyait pas la Terre vraiment, mais c'était au moment du lever du soleil. Donc, je commence à voir la ligne du lever du soleil, la ligne bleue et rouge et orange, la courbe de la Terre à l'horizon, et le grand sourire de Anne qui me fait un clin d'œil. Et j'ai compris que j'étais rendu là, on était dans l'espace, et ça m'a cette image-là est restée imprimée dans mon esprit. Je ne pense pas qu'elle va jamais s'effacer. Jacques, Annie Guillemette, de retour du 98.5. Bon, vous l'avez dit, journée en or pour la sortie extravéhiculaire. Après tout ce que vous avez fait, il vous reste quand même quelques dizaines de jours à passer dans l'espace. Qu'est-ce qui vous reste comme défi, comme attente face au reste de la mission? Bonne question. Et vous amenez un point intéressant, hein? Déjà, se rendre ici en fusée, c'était comme toute une montagne technique et émotive à franchir. Et là, bon, ben, on est rendu dans l'espace. Au début, c'était incroyable de se sentir à bord de la station, mais on a constamment conscience du danger permanent qui nous entoure. Hein. On vit à l'intérieur d'une machine qui nous garde en vie. Puis au fil des mois, ça devient l'endroit où on vit. Et l'esprit humain est comme ça. On s'habitue à ça. Et maintenant, on pense à l'intérieur de la station comme l'endroit le plus sécuritaire qu'on connaisse. Et c'est ça la norme. Et maintenant, on a 3 mois encore à vivre ici. Et on a des véhicules cargo qui arrivent. On va utiliser le bras robotique canadien Canadarm2 pour les agripper. Plein d'expériences scientifiques qui s'en viennent. Et c'est devenu notre vie normale. C'est comme si j'étais né ici. On est tellement habitué maintenant à vivre en apesanteur. Et le dernier défi qui va rester, c'est à la fin de tout ça, revenir de manière sécuritaire sur Terre. Ça reste un des moments les plus dangereux de toute l'expérience, le retour sur Terre. Donc, et ça, il faut jamais oublier. Il y a une facilité. C'est facile de devenir complaisant, si on veut, et d'oublier le danger permanent qui nous entoure, le fait qu'il faut rester à l'affût, rester, si on veut, garder le pouls de cette machine autour de nous qui nous garde en vie. Et donc, le défi est là de bien profiter et de ne pas baisser la garde. Monsieur Saint-Jacques, encore moi, Yasmine Khayat de Radio-Canada. Monsieur Saint-Jacques, vous avez soulevé la question le fait de se sentir en sécurité au sein de à quelques heures finalement de la Terre. Est-ce qu'on est prêt pour la Lune? Est-ce qu'on est prêt pour ce qui est de l'exploration de la Lune, d'aller se mettre en orbite autour de la Lune et puis de rester là peut-être 6 mois, peut-être 1 an? Je pense qu'on a maîtrisé les grands problèmes, les grandes questions. Maintenant, c'est une question de fiabilité de l'équipement. En ce moment, à bord, tout fonctionne bien, mais de temps en temps, à chaque mois, à chaque 2 mois, il y a quelque chose qui brise, il faut le réparer, il faut des pièces de rechange. Donc, le défi pour la Lune, c'est d'avoir des systèmes qui sont beaucoup plus fiables, un peu comme dans l'histoire d'aviation. Hein? Ça fait longtemps que les avions n'ont pas vraiment changé fondamentalement, mais ils sont devenus beaucoup, beaucoup plus fiables. C'est ça la grosse différence. Et pour ce qui est d'aller sur Mars, ben là, c'est encore une autre étape parce que là, il faut de la fiabilité sur des années si on veut survivre au voyage et en revenir. C'est un peu en ce moment comme si on se pratiquait à faire du camping dans notre cour. On n'avait pas encore osé aller vraiment en expédition en forêt ou en montagne. Donc, il faut que c'est une question de développement technique, de collaboration, une question encore d'ingénuité. Et on n'est pas encore rendu là, encore quelques années. Mars, certainement, encore quelques décennies. Mais j'ai pas de doute que les premiers astronautes à se rendre dans ces nouvelles destinations sont nés. C'est des enfants en ce moment, mais ils sont nés. Et ce rêve-là est dans leur tête. David, one of your next challenges will be to operate Canadarm2 to catch the Dragon cargo ship. How do you feel about that? What a privilege. What a privilege. Being Canadian, of course, this is a... You know, it will be one of the highlights of the mission, and it is it's a dream for every Canadian astronaut to actually operate the Canadarm2. The capture of a cargo vehicle is an amazing challenge, an amazing feat of engineering we could all be proud of. Canadarm2 was not designed for that initially. It was a kind of a new challenge offered by NASA. Hey, do you think you guys could do this with your robotic arm? Could you actually catch cargo vehicles? And our engineers, you know, rolled up their sleeves and figured out a way and kind of increased the capacity of Canadarm. And I think
it speaks to the Canadian ingenuity and our kind of a spirit of, you know, inventivity. And I think it also shows a path to the future where exploration is going to be a mixture of human exploration and robotic exploration. And with artificial intelligence, we're going to be able to kind of, like, in a synergistic way, completely expand our capacity to explore and to invent. Merci beaucoup, David. C'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Encore une fois, félicitations pour la sortie spéciale de cette semaine et continue ton beau travail. On est tous derrière toi. Bye-bye. Merci beaucoup. Au revoir, tout le monde. Station, this is Houston ACR. That concludes the event. Thank you. Thank you, Canadian Space Agency and participants. Station, we are now resuming operational audio communications.